tire un peu vers haut, donc c'est, souvent c'est un peu une question de concession. Et puis c'est vrai que plus vite j'essaie de toujours disons, souvent je les enlève. Parce que je ne vois pas les actes. C'est mieux. Donc je vous par peur. C'est parfait. Wow. C'est pour David, donc ça réveille un petit peu. Bon, David, salit, sourire. Hein. Voilà. Un sourire. Thank you.
Se venge, hein.
Non, non, mais c'est parce que comme elle tu est très dans la près, boîte, hein. Oui. Non. Vous. Pourquoi? Leurs pinceaux à la Halle au Blé d'Alençon pour une biennale qui propose de nombreuses animations comme des stages de découverte par exemple entre professionnels et amateurs éclairés. Damien Mignot et Jean-Pierre Bonnefond les ont suivis. Pour ces passionnés d'aquarelle, c'est une parenthèse enchantée. Le temps d'une journée, elles vont tenter de percer et de s'approprier les secrets de ces professionnels. L'eau, c'est transparence. Le plus bonheur, c'est d'arriver, de dessiner le transparent. Et l'eau qui diffuse dans des travaux artistes, il faut maîtriser l'eau. Oui, il faut calculer l'eau. L'eau, une matière à part entière dans l'aquarelle. Il faut la contrôler, maîtriser sa densité. Pas toujours facile. L'effet, il est donné souvent par la peinture qui diffuse avec l'eau, en fait. Ça paraît toujours simple, et puis après, quand on essaye de le faire, c'est autre chose. C'est autre chose. Ces portraits de musiciens, tout en nuances, sont l'œuvre de Pascal Pian. Pour ce stage, cet artiste propose une technique beaucoup plus abstraite, à partir d'une toile préalablement immergée. Et vous allez voir ce qui va se passer par capillarité. Et hop, j'attire et tout descend. Très souvent, on revient, on bidouille. Donc voilà, donc j'ai voulu mettre en fait, pour moi, c'est ça. L'aquarelle, c'est de la spontanéité, c'est respecter un petit peu justement une part d'aléatoire et venir apporter sa petite histoire dans ce fouillis, on va dire, improbable. Autre coup de pinceau à découvrir, l'artiste Martha Widler, spécialiste des scènes de jazz. Dimanche prochain, elle réalisera des portraits en live, une façon d'immortaliser, pour certains, toute une carrière. Son inspiration, il la puise sur la côte.